Algériennes étaient en sit-in ce matin pour dénoncer le non-respect de la loi sur le quota suite à la dernière nomination des membres du gouvernement. Après la nomination des médecins à la tête du ministère de la Santé publique, les syndicats du secteur de la santé attendent beaucoup de ce nouveau ministre, Dr Idi Ilias. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à cette grande session d'information sur la télévision La Bari. Les femmes nigériennes étaient sorties ce matin pour montrer leur mécontentement suite au non-respect de la loi sur le quota à la dernière nomination des membres du gouvernement. C'était à travers un sit-in dans le ministère de la Population. Le reportage a signé Nafisa Hassan et Abdel Nasser Seydou. Elles se sont réunies pour la même cause, exprimer leur mécontentement après la formation d'un nouveau gouvernement où, une fois de plus, la loi sur le quota des femmes n'a pas été respectée. Très en colère, ces femmes se sont donné rendez-vous à la devanture du ministère de la Population pour remettre un mémorandum dans lequel elles font part au président de la République de la marginalisation dont elles sont victimes. Nous, femmes nigériennes, constatons avec amertume que la formation du deuxième gouvernement, de la deuxième mandature, de la septième république, n'a pas du tout respecté cette loi sur le quota. Nous avons en effet relevé avec regret que sur 42 membres que compte ce gouvernement aujourd'hui, seulement 8 femmes ont été nommées, soit un pourcentage de 19,04% au lieu de 25% prévu par la loi, d'où une violation flagrante de cette loi. C'est pourquoi, après notre rencontre avec le Premier ministre, chef du gouvernement, lors de la formation du premier gouvernement de la 7e République, relativement à cette question restée sans suite, nous exigeons à présent le respect du taux consacré par la loi sur le quota afin d'éviter d'éventuelles réactions des femmes, actrices incontournables des femmes que nous sommes. En recevant ce document, la ministre de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant a prévu de le remettre à qui de droit. Chères sœurs, vos voeux me touchent profondément et je prends l'engagement de travailler avec toutes les femmes du Niger car nos défis sont immenses et nous avons un centre d'intérêt commun, l'autonomisation de la femme, sans laquelle le développement durable est un leurre. Votre revendication est légitime, bien que ce nouveau gouvernement n'est qu'un simple réaménagement. Et je vous affirme la volonté politique clairement affichée du président de la République en faveur de la réduction des inéquités et des inégalités de genre conformément à la loi sur le quota. Chères sœurs, je serai votre porte-parole auprès des plus hautes autorités du pays, pour que la loi sur le quota soit respectée. C'est la énième fois que les organisations féminines interpellent les autorités face au non-respect de la loi sur le quota. Gageons pour que cette fois-ci, leurs préoccupations seront prises en compte par le président Issoufou Mahamadou. Dans le nouveau gouvernement de la 7e République, Dr Idi Iliassou est le nouveau patron du ministère de la Santé publique. Les différents syndicats du secteur de la santé attendent beaucoup de ce ministre qui est du corps, car connaissant les vrais problèmes du secteur de la santé au Niger. Le reportage est de Nasser Dantofo et Ibrahim Abdou. Dans ce deuxième gouvernement de la deuxième législature de la 7e République, le ministère de la Santé publique est désormais dirigé par Dr Idi Iliassou Menassara. Agent de santé de formation, il est aussi connu dans le paysage syndical pour avoir milité plusieurs années durant au sein du syndicat des médecins, chirurgiens, pharmaciens et dentistes du Niger. À sa prise de fonction, il promet une étroite collaboration avec tous les partenaires du dit ministère. Les attentes sont nombreuses. Et vous savez, l'œuvre humaine n'est jamais parfaite. Et c'est une grande mission qui nous a été confiée. Et Inch'Allah, avec l'aide de Dieu et l'aide aussi de tous les partenaires qui interviennent dans le secteur de la santé,
on va faire le maximum d'efforts pour continuer l'œuvre qui a déjà été commencée par le ministre sortant. Au vu de son parcours syndical et aussi en tant qu'agent de santé, les attentes sont prometteuses du côté des syndicats du secteur de la santé. Nous ne doutons pas, à condition que le ministre ne renverse pas sa robe antérieure qu'il connaît, sa robe syndicale et sa robe professionnelle. S'il s'entoure des politiciens, s'il s'entoure des tambours inutiles, en tout cas, il va avoir un mauvais rythme dans sa marche. Donc c'est pour ça que je dis, connaissant l'homme, moi je n'ai pas de crainte, personnellement je n'ai pas de crainte. Il faut rappeler que ce ministre était un ancien secrétaire général de cette structure, une structure qu'il a dirigée pendant 2 mandats, et que jusqu'à preuve du contraire, il est effectivement conseiller de notre structure selon notre texte, parce que notre texte dit que les 2 derniers secrétaires généraux sont d'office conseillers du bureau exécutif national du Saint-Famed. Donc pour dire que nous sommes liés, il est lié par rapport effectivement au syndicat, et lorsqu'il a été nommé, nous nous sommes dit ouf, connaissant l'ancien ministre, on dit au moins les préoccupations des médecins, des pharmaciens, des chirurgiens dentistes seront au moins écoutées. En espérant que le politique ne prenne le devant du syndical, les syndicats du secteur de la santé se disent confiants quant à la gestion du docteur Idi Ilyar Soumena Sara à la tête du ministère de la Santé publique. Après avoir reproché la convergence pour une action unitaire des syndicats de l'éducation du Niger à cause Niger de n'avoir pas de base légale, le gouvernement durcit le temps en assignant la cause à Niger en justice suite à son préavis de grève de 72 heures débuté hier mercredi. En attendant de se présenter devant le juge demain matin, la coordination de la cause à Niger a animé cet après-midi un point de presse pour expliquer à l'opinion publique de quoi il s'agit. Un extrait avec Issoufou Arzika, le co-coordinateur de la cause Niger. Ils disent que d'abord notre préavis ne s'est pas adressé aux autorités administratives dont nous relevons. Nous ne sommes pas ici en train de vouloir défendre tout de suite ce qu'ils ont dit ou ce que nous avons fait. Mais nous tenons juste à dire à l'opinion nationale et internationale que les autorités scolaires ont choisi d'ignorer les problèmes de l'éducation et de s'engager dans une bataille inqualifiable dont, pour nous, les mobiles restent encore inexplicables. Il nous a été reproché à travers notre préavis de n'avoir pas informé directement les autorités administratives dont nous relevons. Or, sur notre préavis, il a bel et bien été dit à monsieur le ministre de la fonction publique, certes, mais sous couvert des ministres en charge de l'éducation. Or, depuis belle lurette, on sait que le sous couvert veut dire tout simplement que c'est une transition par un autre intermédiaire avant que le document n'arrive au destinataire proprement dit. Maintenant, si passé par l'employeur qui est la fonction publique pour atteindre l'utilisateur qui est le ministre en charge de l'éducation, ce n'est pas une transmission et nous l'expliquerons demain. Ils nous ont dit que nous manquons des textes, donc des bases juridiques. Nous apprendrons beaucoup demain de savoir comment la question des différents regroupements politiques a été gérée par la justice, quand nous savons que le regroupement politique qui a conquis le pouvoir qui nous gère actuellement n'a pas ses papiers. Et bien d'autres regroupements encore de l'opposition comme du pouvoir. Et que la FISAN et le CEPRAS, qui n'ont jamais eu de papiers, ont signé des accords formels avec signature des 10 ministres et qui a eu à connaître un certain nombre de faits. Du reste, ces mêmes autorités-là ont négocié avec la FISAN depuis les vacances, depuis sa création. Nous ont invités à participer solennellement à des activités officielles. Nous avons participé au lancement de la rentrée durant le ministre des enseignements secondaires. Leurs écrits qu'ils nous ont adressés formellement sont là. Nous sommes étonnés, à moins que ce ne soit des somnambules avec lesquels on a travaillé pendant tous ces mois et qui viennent de se réveiller. Nous sommes étonnés de leur attitude. Mais peut-être suite à ce réveil-là, ils apprendront encore un certain nombre de réalités qui se visent dans le monde enseignant et que nous serons prêts à leur brandir. Le troisième greffe, c'est que nous n'avons pas précisé l'heure du début de notre préavis, de notre grève.
Nous prenons acte, mais nous pensons que c'est dilatoire. Parce que nous avons observé le premier mot d'ordre, il nous a appelé à la négociation en dépit du fait qu'il a le même caractère que ce dernier. Ce dernier-là aussi, il nous a encore appelé à la négociation. Juste parce qu'on n'a pas eu d'accord, chose prévue directe par la loi, que quand on est en négociation, on peut avoir d'accord tout comme on peut ne pas avoir. Le plus important, c'est qu'en cas d'accord, on signe un protocole d'accord conjoint. En cas de désaccord, on consigne ça dans un PV conjointement aussi signé. Mais nous sommes quand même étonnés de voir que nos autorités semblent apparemment avoir été étourdies par les luxes de climatisation et des bureaux fossiles pour oublier la misère dans laquelle beaucoup d'enseignants aujourd'hui végètent et n'ont même pas à manger. Droits de l'homme, radio et théâtre, et mariage d'avenir, c'est le thème du colloque régional initié par l'Institut Panos Afrique de l'Ouest, IPAO, qui a pris fin cet après-midi à l'hôtel Homeland. Après 2 jours d'intenses travaux, la rencontre a été sanctionnée par une déclaration, dite déclaration de Niamey, et rendue publique par les participants. La déclaration est lue ici par Feriel Mbarki, une des participantes. Par la présente déclaration, saluant l'engagement des organisations de la société civile, défenseurs de droits de l'homme, professionnels des médias, des arts et de la culture qui ont contribué à promouvoir la production de théâtre radiophonique comme outil d'éducation et d'information, demandant aux organisations de la société civile, défenseurs de droits de l'homme, professionnels des médias, des arts et de la culture, à s'engager dans la prise en compte des dynamiques de diversification et d'adaptation de la production de théâtre radio aux nouvelles opportunités de production, de diffusion et de financement. Aux États africains de respecter leurs engagements en déployant les ressources et les moyens appropriés et la facilité d'application de lois afin de renforcer l'accès à l'information sensible aux droits de l'homme. Appelant les institutions de financement, de développement et d'appui aux médias, aux arts et à la culture, à prendre conscience de la nécessité d'instaurer une culture de droits de l'homme en soutenant la formation, la production et la diffusion de théâtre radio sensible aux droits humains. Demandons à l'Institut Panos Afrique de l'Ouest de continuer à jouer un rôle actif dans l'accompagnement, la réflexion et le suivi de cette présente déclaration par l'identification d'actions appropriées. Fait à Niamey le 27 octobre 2016. Actualité à l'international, en Syrie, il y a eu un bombardement dans la province d'Alep contre une école et le bilan est lourd. Au moins 22 enfants sont morts. Pour l'UNICEF, c'est un possible crime de guerre. Damas et Moscou sont pointés du doigt. Six frappes menées par plusieurs avions militaires, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Une école attaquée à plusieurs reprises, selon l'UNICEF. L'un des projectiles serait tombé à l'entrée des bâtiments au moment même où les enfants étaient évacués et tentés de se mettre à l'abri. Je veux ma mère. Amenez-moi à ma mère. L'avion nous a tiré dessus. Je ne veux plus aller à l'école, plus jamais. L'établissement se trouvait dans un quartier résidentiel de ce village de Has, lui-même situé dans la province d'Idleb, aux mains des rebelles. Oh mon Dieu! Mon Dieu, aide-nous! Au moins 22 enfants et 6 enseignants ont été tués selon l'UNICEF, pour qui l'attaque pourrait être la plus meurtrière contre une école depuis le début de la guerre en Syrie, il y a 5 ans et demi. L'organisation parle d'un possible crime de guerre sans préciser qui a mené ces raids. Une source militaire syrienne interrogée par la télévision d'État a assuré que plusieurs combattants avaient été tués lors de ces bombardements sans mentionner l'école. L'ambassadeur russe à l'ONU, pour sa part, a déclaré depuis New York espérer que son pays n'était pas impliqué.
Il y a eu finalement accord sur le CEPNA après les multiples rebondissements. Les Belges se sont entendus sur ce traité de libre-échange entre le Canada et l'Europe auquel s'opposaient les Wallons. Plus de veto, mais une date à trouver maintenant pour une nouvelle signature. Depuis plusieurs jours, c'est à corps perdu qu'il a négocié avec le gouvernement fédéral belge. Au petit matin encore, rien n'était fait. Comme un aimant, le ministre président de la région Wallonne s'est accroché à ses exigences. Une ténacité qui a fini par payer. C'est à la fin de la matinée que les Belges ont fini par s'entendre. La Wallonie est extrêmement heureuse que nos demandes aient pu être entendues. On s'est toujours battu pour avoir des traités qui renforcent les normes sociales, les normes environnementales, protègent les services publics. Qu'il n'y ait pas d'arbitrage privé, mais qu'il y ait uniquement des juridictions entièrement publiques qui donnent toutes les garanties juridictionnelles. Nous avons pu être entendus et tout cela sera désormais acquis. Gêné par la paralysie provoquée en Europe à cause du débat prolongé en son pays, c'est un Premier ministre belge soulagé qui a précisé la suite de la procédure. C'est un moment important parce que ça va donner la possibilité dans les heures qui viennent d'une part au Parlement concerné de se prononcer et l'engagement qui est pris est de recevoir les positions des parlements concernés avant vendredi minuit. Entre les parlements belges et celui de l'Union européenne, désormais cet accord, c'est à prendre ou à laisser. Mais à Bruxelles, personne ne devrait vouloir retarder encore un peu plus la ratification. Si tout se passe bien, le président du Conseil européen, Donald Tusk, pourra alors téléphoner à Justin Trudeau pour lui annoncer la bonne nouvelle. Encore faut-il que le Canadien puisse trouver une nouvelle date dans son agenda de Premier ministre. Annulé jeudi matin, aucune date n'a encore été fixée pour le sommet qui doit officialiser le traité de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada. Selon l'Association de protection pour l'environnement, le nombre de vertébrés a chuté à près de 60% en 42 ans. Mammifères, poissons, oiseaux, elles sont en train de disparaître à un rythme inquiétant. Sur Terre, en mer ou dans les airs, un même constat, la planète se vide. En 4 décennies, la population mondiale de vertébrés a diminué de 58%, selon le dernier rapport WWF, le Fonds mondial pour la nature. Une biodiversité en chute libre depuis 1970, moins 36% d'animaux marins, moins 38% d'animaux terrestres et moins 81% d'animaux d'eau douce. À l'horizon 2020, les deux tiers des animaux sauvages auront disparu. Alors ce qui est inquiétant, c'est d'une part le chiffre, et puis c'est le rythme, puisque jamais dans l'histoire, les espèces n'ont disparu à un rythme aussi élevé. La dernière fois que l'on a parlé de grande extinction du vivant, eh bien c'était au moment des dinosaures. Si les vertébrés disparaissent, la faute à l'humanité, responsable de la destruction de leur habitat et de la surexploitation de ces espèces par la pêche, la chasse et le braconnage. L'autre indice alarmant, c'est l'empreinte écologique des êtres humains devenue insupportable. En 2012, l'humanité a utilisé l'équivalent de 1,6 planète Terre, épuisant chaque année de plus en plus vite ses ressources disponibles. Mais des solutions existent. On peut essayer de changer nos modes de production, notamment nos modes de production agricole, en essayant de moins empiéter sur la forêt, par exemple. Les monocultures de soja, d'huile de palme participent à la déforestation. Et changer aussi nos modes de consommation, puisque tout ce soja qui déforeste si massivement en Amérique du Sud est massivement importé en France pour nourrir nos poules, nos cochons et nos vaches laitières. Manger moins de viande et de poisson, relever le défi des changements climatiques, l'humanité doit de toute urgence apprendre à vivre avec des limites. Voilà, mesdames, messieurs, ici s'achève ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée en compagnie du programme de la télévision La Paris.